Dans l'épisode précédent, nous avons découvert 6 gagnants, dont 3, Anaïs, Nelson et Anne-Marie. La dernière candidate a été sélectionnée, qui a remporté un flipper électrique pour enfants et va tenter de gagner une belle prime au téléphone en or. On va souhaiter un bon retour à fidèle à Sébastien et à Annette. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez essayer de remporter une belle prime d'argent au téléphone en or. Mais avant, on va décompresser, on s'en fout juste après la pub. Anne-Marie, vous allez jouer au téléphone en or qui peut vous rapporter des prix allant jusqu'à 50 000 euros. Retour sur le plateau du Juste Prix avec notre candidate Anne-Marie qui vient de remporter un flipper pour enfants. Mais maintenant, elle va tenter de remporter des primes allant jusqu'à 50 000 euros et de les partager avec Vanessa qui nous vient de Sens dans Lyon et qu'on a au bout du fil. Bonjour Vanessa. Bonjour Philippe. Comment allez-vous? Ça va très bien, je suis ravi d'avoir au téléphone le présentateur le plus aimé et le plus gentil. Merci, c'est très touchant ce que vous me dites là. Bon, je vous présente Anne-Marie. Bonjour Vanessa. Je rappelle que Anne-Marie vient de Cergy-Pontoise. Alors ce matin, vous avez dû recevoir des prix. Oui, je suis devant moi. Mais avant, on va regarder les articles à trouver. Présentation. Si vous voulez faire des plats à l'espagnol, vous pouvez toujours préparer cette paella en boîte de conserve. Pour collectionner vos souvenirs de vacances et les retrouver facilement, la Farfouille vous offre cet album photo. Pour se rafraîchir parmi cette chaleur d'été, je vous conseille de boire ce fameux jus d'orange. Si vous avez besoin de compagnie, consultez ce Tamagotchi. Ou alors, vous pouvez toujours adopter ce doudours en peluche. Quand vous vous lavez, vous pouvez très bien avoir votre savon à votre disposition grâce à ce porte-savon. Et pour faire des matchs entre vous, pourquoi pas une coupe du monde, ça sera avec le ballon de barque. Alors Vanessa, à vous de donner 3 propositions de prix. Et Anne-Marie, vous allez devoir les placer. Alors, 22,95€. L'album photo. L'album photo, est-ce que c'est le bon article? Oui, allez, Vanessa, un autre prix. 14,99€. 14,99€. Qu'est-ce qui coûte 14,99€? Le Tamagotchi. Le Tamagotchi coûte-t-il 14,99€? Et ben, vous n'allez pas repartir les mains vides. Autre proposition. 2,24€. 2,24€, je vous écoute, Anne-Marie. Le jus d'orange. Le jus d'orange. Est-ce le jus d'orange? Oui, vous avez réussi. Vanessa, je vous laisse un petit moment. On regarde les primes. Le Tamagotchi, 5 000€. Le jus d'orange, 10 000€. Et l'album photo, 15 000€. Ce qui nous fait en tout 30 000€. Je suis content. Vanessa? Oui? J'ai le plaisir de vous annoncer que vous partagez la somme de 30 000€. Vous repartez chacune avec 15 000€. Merci, ça me fait plaisir d'avoir joué avec vous. Par avis que ça vous plaise, vous recevrez votre prime par chèque. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et à bientôt. N'hésitez pas à venir jouer avec nous. Je n'y manquerai pas, merci, au revoir. Au revoir. Quelle ambiance estivale! Chaque été, il y a de la joie et c'est normal parce que c'est les vacances. Vous êtes content d'être en vacances? Je suis ravi, il faut en profiter. Je suis d'accord avec vous, d'autant plus qu'avec votre prime de 15 000€, vous allez vraiment en profiter. Mais non seulement vous avez la chance d'être la dernière à tourner la roue, mais aussi d'avoir à estimer la vitrine, voire la remporter. Et que nous allons revoir en intégralité, c'est parti! Nous allons vous présenter la vitrine s'intitulant AD60 qu'on a pu découvrir tout au long de la semaine. Lundi, vous allez remporter cette voiture collector avec 3 portes, équipée d'un petit coffre. Il n'y a pas la clim, il va falloir ouvrir les fenêtres. Mardi, nous vous avons offert cette télévision portable avec la qualité de l'image et du son de l'époque pas terrible. Mercredi, une horloge typique années 60 qui fait réveil avec un son strident. Jeudi, vous pouvez téléphoner à votre famille ou vos amis grâce à ce téléphone à cadran avec quoi vous allez vous bousiller les oreilles. Vendredi, vous aurez la grande joie de visiter la Nationale 7 empruntée par les vacanciers de l'époque. Vous allez commencer par visiter le château de Fontainebleau. Ensuite, vous aurez l'occasion de visiter les deux musées de la Nationale 7 dans le Loiret et dans le Vaucluse. Après, escale à Orange, où vous pourrez visiter le théâtre antique
pour finalement terminer votre course à Menton, terminus de la National 7. Samedi, journée musicale, avec le fameux jukebox instrument utilisé dans les années 60, vous aurez le plaisir d'écouter de la musique grâce au lecteur de disques vinyle, avec quoi on vous a ajouté des disques de grandes légendes de l'époque, les Beatles et Claude François. Et puis, on vous offre la guitare des Beatles. Aujourd'hui, nous vous offrons le CD des tubes des années 60. Bonne chance pour remporter notre Victory Collector. Comme le dit Pierre-Nicolas, cette vitrine est collector. Sachez que pour celui ou celle qui va remporter la vitrine, il va beaucoup voyager, car pour traverser la National 7, il faut parcourir 996 km, soit 14h44, plus les visites dans chaque ville. Vous séjournerez dans un hôtel. Mais en plus de la vitrine, vous pouvez toujours avoir la chance de remporter d'autres cagnottes. Si vous avez la chance de tomber sur la case 100, vous remporterez le montant de la cagnotte de la carte Boum Boum des magasins But. Anaïs, c'est la première à actionner cette roue. Anaïs nous vient de Angers dans le Maine-et-Loire. Elle a été sélectionnée mardi et a remporté un four en cadeau de sélection. Aujourd'hui, elle a remporté un trampoline, mais a chuté au tyrolien, comme lui malheureusement. Alors, combien vous allez faire? Oh, vous allez remporter la cagnotte! C'est incroyable! En plus, elle est stylée la victime. Mais seul, à vous de vous qualifier en finale. Nelson vient de Somsou, un petit village dans la Barbe. Et il a été sélectionné jeudi dernier et a gagné un iPhone, puis tous les cadeaux couplés. Aujourd'hui, il a gagné un hamac et une voiture aux 3/3. Vous allez faire le score de 80. Anaïs va surestimer la victime. Mais pas surestimer. Mais surestimer en deux mots. Tout va se jouer entre Nelson et Anne-Marie. Anne-Marie, je souhaite que vous ayez à l'estimation de la vitrine. C'est parti. Anne-Marie, sélectionnée hier, vient de Sergy-Pontoise dans le Val-d'Oise. Elle a gagné un portefeuille Louis Vuitton en guise de cadeau de sélection et 50 000 euros coup de poing. Aujourd'hui, elle a gagné un flipper en plastique pour enfants et 15 000 euros au téléphone en or. Est-ce que vous aurez la chance d'aller estimer la vitrine? Oh, malheureusement, ça sera insuffisant. Mais bon, j'ai été ravi de vous accueillir sur le plateau. Merci. On va vous offrir des cadeaux de consolation de sorte à ce que vous ne repartez pas les mains vides, mais aussi pour nos deux finalistes. Écoutez. Bravo à Anaïs et Nelson. Vous remportez une carte des magasins But où vous aurez des réductions sur les produits du magasin. Et pour Anne-Marie qui nous quitte aujourd'hui, voici d'autres cadeaux. Vous repartez avec les produits dérivés de la Coupe du Monde 2018. TF1 vous offre le jeu de l'émission et le coffret de la série Clem saison 1 à 6 que vous pouvez gagner sur MyTF1. Anne-Marie, je vous souhaite un très beau retour à Sergy-Pontoise. Quant à vous, Anaïs et Nelson, on va se retrouver pour le plus grand moment qui est l'estimation de la vitrine. Ça sera dans quelques secondes et si vous voulez faire comme Anaïs et Bruno, c'est-à-dire pouvoir tenter de venir estimer la vitrine, il faut venir jouer avec nous. Oui, ça, on a compris. Oui, mais j'explique aux téléspectateurs. Oui, mais ça, on s'en fout des téléspectateurs. Tout ce qu'on veut, c'est d'estimer la vitrine. Bon, vous permettez, Anaïs? Pour cela, il suffit d'écrire à cette adresse. Si vous voulez participer au juste prix, rendez-vous sur MyTF1. Vous pouvez également prendre des bons de participation dans tous les magasins But ou nous écrire sur papier libre. Attention, c'est le moment d'estimer la vitrine spéciale années 60. C'est la dernière phase et demain, on repart avec une nouvelle vitrine, un nouveau thème. Mais d'abord, il faut estimer sans toutefois dépasser le juste prix de la vitrine qui pourra être remporté par Anaïs qui vient d'Angers et qui est esthéticienne. Mais face à elle, il y a Nelson qui nous vient de Somsou dans la Barbe et qui travaille en intérim à la SNCF. Est-ce que vous êtes prêts? Estimez la vitrine musique. Thank you.
top. Anaïs estime cette vitrine à 34 000 euros. 34 000 euros, c'est le choix d'Anaïs. Face à elle, il y a Nelson qui estime cette même vitrine à 35 140 euros. 35 140 euros, c'est le choix de Nelson. Attention, j'espère qu'aucun d'entre vous n'a eu les yeux plus gros que le ventre et que vous n'avez pas dépassé le juste prix de cette vitrine collector. Le juste prix de cette vitrine s'intitulant années 60, avec un jukebox, un voyage de plusieurs jours sur la Nationale 7, des cadeaux d'époque, et de 35 280 euros. Nelson repart avec cette bonne vitrine. 35 280 euros. C'est vous qui partirez plusieurs jours sur la Nationale 7 et qui remporterez tous les cadeaux collector qui se font rares. Un petit mot, Anaïs? Je m'en fous, la vitrine est ringarde. Oh, c'est tout ce que vous trouvez à dire. Bon, Nelson, vous repartez à somme sous, pas les mains vides, mais heureux avec la vitrine. Quant à nous, on se retrouve demain avec une nouvelle vitrine. Bon dimanche, à demain. Le trampoline. Le trampoline. Excusez-moi. Coupez. Concentrez-vous plutôt. Attendez, je ne sais plus quoi dire là. Coupez. Anaïs, c'est la première sélectionnée. Non, excusez-moi. À actionner, c'est pour aussi. Je m'embrouille, sélectionner et tout ça. Je dis tout le temps, donc voilà pourquoi. Coupez. Il y a Nelson qui est ici. Ouais, je me plante là. Coupez.